Marshal Pétain, the great French war leader, who commanded Verdun during the severe French fighting there, pays homage to the achievements of the American Army. Des années 17 et 18. On peut dire qu'ils ont changé la face de la guerre. Dans ces circonstances, une seule ligne de conduite s'imposait à l'entente. Devant l'énorme supériorité des forces des empires centraux, il lui fallait temporiser et limiter son action à contrecarrer les essaims de l'ennemi, jusqu'au moment où l'arrivée des armées américaines, changeant le rapport des forces au profit des alliés, eut permis à ceux-ci de passer à l'offensive. In an inspiring speech transmitted perfectly more than 3,000 miles, President Roosevelt honors the American war heroes and pleads earnestly for international peace. Though the seas divide us, the people of France and the people of the United States find union.